Oh, je suis pas content. Il y a les Américains, ils veulent plus qu'on ait de président. Ouais, c'est pas une blague. C'est le Peterson Institute qui l'a dit. Il y a 2 jours aux États-Unis, on parle que de ça là-bas. Le Peterson Institute, c'est un organisme, c'est un think tank. C'est eux qui donnent plein de conseils à la diplomatie américaine. Et tout ce qu'ils disent, c'est relayé par Washington et tout, hein. Et dans un article, eh ben, ils disent que la France devrait abandonner le système présidentiel. Ah, ça y est, l'autre, il est tellement mauvais maintenant que les Américains, ils veulent nous refaire l'amgote. Faut pas déconner quand même, ils vont pas prendre les décisions à notre place. En plus, il est super focus, hein, Obama. Parce qu'il y a 6 mois, quand François Hollande, il l'avait reçu aux États-Unis, eh ben, Obama, il avait dit que François Hollande, il lui apprenait plein de trucs et qu'il avait besoin de ses conseils. J'ai été très intéressé lorsque j'ai lu la biographie du président Hollande. Il a passé du temps aux États-Unis dans sa jeunesse. Il a étudié les fast-foods américains. Même s'il a décidé de se dédier à la vie politique, j'attendrai avec impatience son avis sur les cheeseburgers à Chicago. Il n'y a pas à dire, la voix de la France, ça compte hein, quand même. Le hot dog typique de Chicago, je ne suis pas certain qu'il l'ait goûté, mais nous savons qu'il a goûté au fast-food américain par le passé, parce que c'est aujourd'hui le 40e anniversaire du premier voyage de François en Amérique. Je comprends qu'il a traversé le pays en étudiant l'industrie du fast-food en 1974. C'était un Français qui visitait tous les McDonald's du coin, c'était lui. En même temps, c'est pas étonnant qu'il soit spécialiste en hamburger, François Hollande. L'autre jour, à la télé, il nous a dit qu'il mangeait des frites. Vous me reprochez de manger des frites ? Moi, je ne peux pas l'admettre. Ouais, il a jacté l'autre jour, François Hollande, sur TF1. Il y a des millions de Français qui ont regardé, hein, moi aussi. Bon, j'ai manqué le début, par contre. Mais c'est pas ma faute, c'est parce que je me suis gouré de chaîne. Je suis allé sur D8, et en fait, il y avait le maillon faible. Ouais, je me suis fait baiser, j'ai perdu 30 minutes, j'ai cru que c'était l'interview de François Hollande, dis donc. Et après, j'ai zappé et je suis tombé sur un épisode de New York section criminelle. Un épisode spécial sur la fraude fiscale. Ouais, je me suis dit, c'est un reportage sur le gouvernement. Ils intègrent ça dans les interviews des fois. Et au bout d'un quart d'heure, j'ai encore compris que je m'étais fait avoir et j'ai fini sur TF1. Et là, il y avait François. Oh, je l'ai pas reconnu, dis donc. Ah, il a changé, hein, François Hollande. Il a un coach maintenant. Un coach en relooking pour faire plus sérieux. Ah, ils ont tout refaire et il s'est teint les cheveux. Regarde, maintenant, il a la coupe de cheveux de Jacques Chirac, les lunettes de Jacques Chirac. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il a les couilles de Bernadette. Mais sinon, sur l'apparence, ça va. Ça ressemble à peu près à quelque chose. Par contre, sur le fond, oh, ah, il m'a fait peur, hein, très très peur. Ouais, on est en pleine crise mondiale, et l'autre, il nous parle de ses histoires de frites. Ouais, et puis après, il nous emmerde avec sa cravate, là, qui est pas droite, et ses histoires de bistrot. Parce que ma cravate n'est pas droite. Les bistrots, je les ai fréquentés pendant 30 ans de ma vie. Pendant 30 ans de ma vie. En Corrèze. Et j'ai fait la tournée de tous les bistrots. On est au bord de la guerre civile, et l'autre, il nous parle picombière. Ah, il avait dit, je veux jouer la carte de la proximité avec les Français. Ah, mais ça devient n'importe quoi, là. Il y a des gens au standard, ils envoyaient des messages. Bonjour, monsieur le président, j'ai perdu mon colissimo, pouvez-vous faire quelque chose? On a un problème de barbecue avec les voisins. Est-ce que Ibra va jouer le classico? Bon, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est François Hollande, il a dit, en 2017, si le chômage n'a pas baissé, je ne me présenterai pas. Bon, ça c'est bien. Hein, les chômeurs vont enfin pouvoir servir à quelque chose. Il y a une lueur d'espoir. Vous voyez, les Américains, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Hein. Puis même s'ils se représentaient en 2017, de toute façon, il gagnera jamais. Attends, nous, on n'en veut plus. Hein. En 2017, lui et toute son équipe de bras cassés, comme dirait Valérie, merci pour ce moment, et puis ciao, attends. Mais la vraie question, c'est pour être remplacé par qui? Est-ce qu'il y a personne, hein? À droite, là, l'UMP, ah, ils ont des gros problèmes d'argent en ce moment. Ah, c'est François Fillon, il l'a dit l'autre jour. Ils ont dit qu'ils cherchaient encore du pognon, ah, ils en peuvent plus, ils sont obligés de tout vendre. Il paraît qu'ils vont organiser un deuxième Sarkoton. Ouais, pour 50 €, tu peux parrainer le nom d'une affaire Sarkozy. Ouais, si tu t'appelles Jean-Michel Pouchard, eh ben ça devient l'affaire Sarkozy-Pouchard.
Alors franchement, maintenant, les Américains, vous vous mêlez de vos fesses, hein. C'est pas cool. Je suis pas content. What?